Oui. Speak very little French, so I apologize. Il parle un tout petit peu français, il s'excuse. What can you say? Je suis là une fille. Je suis bon. La jeune fille. Je suis la jeune fille. And this is from high school. one class. I did a short film, sorry, a few years ago, and I said La place Saint-Michel est un cimetière pour les chats en allemand. The Plaza Saint-Michel is a cemetery for the German tanks. How would you say it? La place Saint-Michel est un cimetière pour les chars allemands. Yeah. That's wow. Excuse me. Much better. Welcome. Thank you. Je vais commencer par, alors, je vous explique un peu comment ça se passe. Généralement, je vous dis en français ce que je vais lui dire, plus ou moins. Je lui dis en anglais, il répond si c'est une question, et je retraduis ce qu'il dit derrière. Je vais lui poser un certain nombre de questions, et d'ici une demi-heure et quelques, on va ouvrir pour que vous puissiez vous mettre derrière le micro et poser des questions à vous. C'est bon, vous avez tout compris? Ouais. On va commencer, je voudrais vraiment qu'on parle de Noël aujourd'hui, donc on va commencer par parler de ça, et je vais commencer par parler de la chose la plus basique, qui est comment il est arrivé sur la série. Ce que ça va être la série et des comics à cette époque-là. I want to talk about Walking Dead from the get-go. And so my first question is really the basic one, but it's how you got there, what you knew of the show, of the comics, like how you got started. Yeah, I was a massive fan before I got on it. The first Halloween episode almost 10 years ago. No, it was, 9 years ago. I watched it with my friends because we were all very broke, we had no money, and we all brought like a six-pack of beer, and we went to my friend's house who had cable, and... Was your Halloween? That was our Halloween because we were so broke, we had no money, and we watched it, and immediately afterwards I said, do you want to watch it again? I mean, it impacted me that much because I'd never seen anything like it on TV. Pour le soir, l'épisode d'Halloween de Halloween episode season 1, right? L'épisode d'Halloween de la première saison, il avait tellement battu que lui et ses potes qu'ils ont décidé d'aller chez l'un d'entre eux et juste pour leur soirée d'Halloween de regarder l'épisode avec tout ça de la bière et un truc de fauché. Mais ça l'a tellement frappé, ça l'a tellement plu que quand ils ont terminé l'épisode, il a dit « Vous voulez regarder à nouveau l'épisode ?» Il dit c'était tellement fort. And then when I got on the show, I had just given up acting like a month prior. And I thought I was done. I thought I was going to move to New York and pursue writing and photography and art. Because it just, after 10 years of trying to make it in LA, I had basically nothing. I had done one episode of Mad Men and a bunch of independent films and, you know, stupid films that no one had ever seen. And I said, okay, I've got $100,000 of debt. It's not going to work. It's not going to happen for me. And I just gave up. I completely quit. So the moral of the story is not never give up on your dreams, because I definitely gave up on my dreams. But it worked out. So give up and then you'll get the right job. Exactly. Donc quand il a été pris pour la série, il venait d'abandonner le métier d'acteur. Un mois avant, il avait dit, c'est fini, ça fait 10 ans que je fais ça, ça n'a pas marché, j'ai fait un épisode de Mad Men, et sinon j'ai tourné dans tout un tas de films d'étudiants que personne n'a jamais vu. J'ai $100,000 de dettes, je pars à New York, et je vais me consacrer à l'écriture, à la photographie, à l'art. Ça sert à rien, c'est mort. Et donc il dit, la morale de l'histoire, c'est pas qu'il faut pas, qu'il faut jamais abandonner ses rêves, c'est qu'en fait, il faut abandonner ses rêves pour qu'un mois plus tard, on ait une job. How the actual job part, did that happen? Did you know the character? Did you know how important the audition was? No, not at all. I mean, they give you fake scripts to audition with because they don't want you to know who you're playing. And I actually didn't want to go because I had already auditioned, I think I auditioned twice for the show before, and I didn't get it, obviously. And I just said, why would I put myself through that? I've given up. I feel good about giving up acting. I don't want to give myself false hope. And then my manager said, come on, we worked very hard to get you this audition, please go. And it's only because she kind of made me feel bad about not going that I went. And it's the only time in my life that
I can honestly say I didn't care if I got the part or not. And that's, I think it's like a life thing. Like, if you care too much about something, a job or you know, trying someone you're trying to date or whatever, you ruin it. But if you just say, I have a theory about that. Oh, I'm sorry, I'm trying to say that. I'll tell you my theory. You tell me what you think. Du coup, je lui ai demandé s'il savait, du coup, quand il a eu l'audition, que ce serait ce personnage-là. Il dit non, en fait, ils font des fausses scènes pour que justement les gens qui passent des auditions pour cette série ne sachent pas de quel personnage il s'agit. Et en fait, lui, il ne voulait pas aller à l'audition parce qu'il avait déjà deux fois passé des tests pour The Walking Dead et les deux fois, ça n'avait pas marché. Et il était là, c'est bon, j'ai abandonné, je suis heureux d'avoir abandonné, j'ai pas envie de me faire de traverser ce truc-là, j'ai pas envie de vivre ça, je veux pas avoir un faux espoir à nouveau et être déçu. Et en fait, son agent a dit non, mais on a vraiment, vraiment galéré pour avoir cette audition, il faut vraiment qu'il y aille. Et c'est juste par culpabilité qu'il est allé en se disant bon, ok, j'y vais. Et ce qu'il dit, c'est que c'est la seule fois de sa vie où il a fait une audition où il s'en serait. Et c'est probablement une leçon de vie de penser que quand on veut quelque chose, quand on essaye d'avoir quelque chose, quand on veut trop quelque chose, ça ne c'est pas le cas, quand on veut trop quelque chose, on a tendance à le mettre en danger en fait. Que ce soit un rôle, un job, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on insiste trop, en fait on met les choses en danger. Alors que quand on s'en fout, c'est moi. Alors moi je dis que j'avais une théorie là-dessus, que je vais vous dire très rapidement. Et que je pense que c'est surtout que quand on veut trop quelque chose, on essaie de se transformer. On n'est pas soi-même. Parce qu'on essaie d'être mieux pour être le truc qu'on rêve d'avoir. Et que quand on est un peu plus soi-même, il se passe autre chose. My theory, which I just told them, is that when we want something too much, we try to be someone else. Yeah. We're not real. Because we're like, oh no, I need to be perfect, I need to do exactly. And I think about acting, I hear a lot of people talk tell that about auditions. Like, when they're trying to be the person they want, you end up being nothing interesting, whereas when you just be your personal choice, something happens. And maybe that day in the audition, did you make it, you know, like, did you do something that you wouldn't have done in a different audition, or? No, I didn't try. Like you said, I was happy to be in the room because I love that casting office. They brought me in a million times, and Ali Thomas, they're wonderful, and they've always treated me with such respect. So I really was just happy to see them. I was just happy to see them again, and I thought to myself, this is my last audition ever. I'm never going to audition for again. Because I thought it was more of like a formality, like I'll audition for this to make everyone happy, but then I'm going to New York, and I'm going to be a great photographer and a great writer, you know. So it's just funny. Yeah, life is a funny way of surprising you. Et je lui ai demandé du coup s'il avait peut-être s'était permis d'être plus lui-même et de faire des choses dans cette audition qu'il n'aurait pas fait dans une situation où il aurait essayé d'être exactement ce qu'on attendait de lui. Et il m'a dit pas spécialement, en fait, ce dont il se souvient surtout, c'est qu'il aimait beaucoup le directeur de casting, la directrice de casting, the woman or the casting director, woman or man, because in French you have to... Oh, two women. Ok, les directrices de casting. Il les aimait beaucoup, il avait une excellente expérience avec elles, il était content de les voir en fait, c'était juste ça. Pour lui c'était une formalité, c'était sa dernière audition, et ensuite il partit à New York, et il allait devenir un grand photographe, un grand auteur, et la vie a une façon étrange parfois de changer les choses. Du coup on va jumper sur le début, l'introduction de son personnage, et je vais vous montrer une scène du tout début, pour ensuite parler de son personnage et de son évolution. So let's jump now into what happened, the character. I want to show a video. You come in with such a bright eye, like, oh my god, I'm on my favorite show, this is great. Because again, I was a fan before I got on it. And I was just so nervous that I was going to mess up one of my favorite shows. But Andy, Rick, he was so welcoming, and the whole cast was very welcoming, and they just gave me a hug, and I'm like, welcome to the family. And that was the scariest day, that day right there, scariest day on set by far. Because I was certain I was going to screw it all up, but I get fired, yeah, within the first day. Quand il dit qu'il a pas vu cette scène depuis 5 ans, et il se reconnaît même pas, alors évidemment c'est parce qu'il a une barre maintenant, mais il y a aussi le fait qu'il voit qu'il se rappelle à quel point il était tellement impressionné, il avait tellement l'idée de oh, « j'arrive pas à croire que je suis sur ma série préférée » parce qu'il était déjà fan de la série.
me dit que Annie Brick l'a accueillie avec les bras ouverts et que tous l'ont accueilli, lui ont fait un câlin, lui ont dit bienvenue dans la famille. Mais il dit qu'il était tellement nerveux, il avait tellement peur de faire quelque chose qui allait tout faire foirer, tout simplement. Et il dit que c'est la journée la plus terrifiante de tout ce que j'ai fait sur la série. C'était ce jour-là spécifiquement. J'ai envie de parler maintenant un peu de la spécificité de son personnage au départ et dans les premières saisons où il était et de ce que ça va être différent par rapport à la série. Bien sûr, le fait qu'il y a un personnage homosexuel qui soit en couple, mais aussi ce que ça faisait de créer une relation comme ça pour l'écran. So I want to go to Eric, because I feel like, first of all, first with a gay character on the show, that's really important for representation, but I also feel that means you had to create a couple, a relationship on screen, and I wonder about working together and, you know, and all that, what that was for you with the memory you had, and how to make something on screen, especially that you're not in a romantic comedy, but how to make that happen on screen and feel real. It was interesting because I met Jordan, I think, 2 weeks after I got cast on it, and he and I were on the phone immediately once I found out that he got cast. We were, he's also a Blue Man, a lot of people know that. In the Blue Man group, he's been with them for a decade. And so he was driving from Orlando to Atlanta to shoot, and we were talking on the phone before he got there, and we were just like, oh, I'm so excited, let's sit down and we'll talk. And we met him, and we had some moonshine whiskey, and we just created this elaborate backstory of how our characters met, because the interesting challenge about those two was that they'd known each other for like a decade before the apocalypse even began. So they're they are the longest running, they were the longest running couple in the entire show's history. So they weren't, I guess Rick and Lori, but you know, in terms of what you see on screen, the longest by far. So we had this really interesting challenge of like, we got to chart how we met, where our first date was, you know, and we came up with all this backstory, and we did it over the span of like a week before we started shooting, and it was wonderful because I've never worked like that where the actors get to create the backstory, because we didn't really, there's nothing in the comics really about it, and it wasn't in any of the scripts that we were getting, so we got to create our own backstory, and it was wonderful. It was like, you know, we created the characters from scratch essentially. Donc il dit que c'était très intéressant dans la création de cette relation à l'écran, c'est qu'il a rencontré Jordan 2 semaines après avoir eu le rôle et qu'il fait partie du Blue Man Group. Vous savez ce que c'est le Blue Man Group? Regardez sur Google, Blue Man Group. I can't explain Blue Man Group now. C'était un spectacle très populaire avec des hommes qui sont pas en bleu et qui font des jeux. Regardez ça. Et du coup, il était en voiture pour aller jusqu'à Atlanta. Il est devenu d'Orlando. Et du coup, au téléphone, ils ont commencé à parler. Ils se sont dit, ouais, c'est super. Enfin, ça va être passionnant de faire ce truc. J'ai très envie de travailler sur leur relation avec toi. Et ils se sont dit, ok. Ils se sont retrouvés. Ils ont bu du whisky, du moonshine whisky, c'est-à-dire du whisky fait maison, qui est illégal, généralement très fort. Et ils ont bu du whisky et ils ont commencé à écrire en fait pour la backstory. Parce que l'histoire de leur couple, c'est qu'ils étaient ensemble, enfin pendant 10 ans déjà avant l'apocalypse. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a tout un passé et que quelque part, tout ce qu'on voit, les couples qu'on voit à l'écran, c'est le couple qui a la plus longue vie. Et donc du coup, ils se sont dit, ok, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont fait leur premier rencard? Ils ont eu l'occasion de pouvoir créer en l'espace d'une semaine toute une histoire pour eux-mêmes. Et c'est très rare pour un acteur que ce soit le cas, mais vu que là, il n'y avait rien dans les comics et que ce n'était pas dans les scripts, ils ont pu se permettre d'inventer le passif de leur personnage. Du coup, je me demande s'ils ont parlé aux auteurs pour savoir si après ça allait être intégré ou ça risquait d'être trahi ou si ça a été changé au fur et à mesure jusqu'à la début de la saison 8, bien sûr. I jump to my next question, which is, did you tell the writers? Because I feel like when you do something in season 5 and you're together up till season 8, episode 3, don't want to be traumatic for people, but
someday you'll get a script with something saying, hey, what did that? And a completely different thing. So did you tell the writers what you guys don't talk to anyone about your backstory? Did you keep it to yourself? Keep it to ourselves. And was it any time in the seasons afterwards where something happened, like was in the script, or like, oh, wait, that's doesn't work anymore? No, I mean, ironically, a lot of the stuff that we talked about with Aaron was in a non-government organization that helped out people in Africa. And we just made this backstory that the two of them met in the Peace Corps or something like that. And most of our ideas gelled with what was being written for us, so it worked out great. Donc non, ils l'ont gardé pour eux, mais vu que c'était inspiré de la réalité de ce qu'on savait sur Aaron, notamment son travail avec une NGO, OGL, ONG. That means something really different. It's ONG, organisation non gouvernementale. Que du coup, en fait, ça passait très bien et ça avait posé problème au travers des saisons. I think this is from episode 3, right? Oh, that's what, is this one, Jim? That's the second episode, didn't you? Final. That's from 803. That's when Eric dies. Yeah. Gracie. J'ai envie de parler de ce truc pour son, en tant qu'acteur et en tant que enfin, par rapport à son personnage, du fait qu'il se passe un truc incroyable dans l'épisode 3 de la saison 8. Alors attention, on se... qui n'a pas vu la saison 8? Ok, no spoilers, it's okay. Je suis désolée, hein. Ça fait qu'on va gagner de spoilers. Que dans l'espace d'un seul épisode, il perd l'homme de sa vie et il trouve une petite fille. Enfin, il a une fille. Enfin, c'est des choses. Je veux juste savoir comment il a vécu sur moi. Je suis sur un épisode aussi important à jouer. This is an incredible episode for your character, because you lose the love of your life. Well, your character loses the love of their life and get a daughter. I mean, he doesn't really know probably that he's going to raise her at this point. But was that's like a pretty meaty episode for you. Do you remember it? Oh yeah, I mean, I still feel like the last 5 years have gone by like this. I don't even know how we're in 2019. It was just yesterday that I feel like I was getting cast, but it was nuts because I had to, you know, do all this action, got to run over some people, shoot a bunch of people, and then lose Eric, lose my mind, and then Andy comes out with this baby, and I just, in that moment, I think, Let me take the baby to the community of Hilltop because I need somewhere to put my crazy brain. I don't want to cry. I don't want to lose it. I need to have a mission to ground me because I think the pain of losing Eric in that moment was too overwhelming. And that's why he just says, I'll take the baby. To your point, though, I don't think he realized that he was going to be raising Gracie until, you know, he probably got back and thought, oh, I guess I'm the only one that is willing to do this. And I love that relationship. I think that the Annabelle, who plays Gracie, is phenomenal. She's a great actress. We're going to talk about Gracie some more. Effectivement, c'est un épisode. Je ne sais pas si on se souvenait, il dit bah oui, bah, mais surtout, il a l'impression que les années à l'année sont passées très très rapidement. Il n'arrive pas à croire qu'on est en 2019, il a l'impression qu'il vient d'avoir le rôle. Mais ce qui est sûr, ce qui était incroyable dans cet épisode, c'était que. Il y a vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de violence, il doit rouler, enfin renverser des gens en voiture, tirer sur des gens, hyper Eric, il perce les hyper. That doesn't work. Lose Eric, lose his mind. That doesn't work in French. Hyper Eric, il perd la raison. Il perd la raison et tout d'un coup, il y a ce bébé qui arrive, qu'on lui tend dans les bras et il décide de prendre Gracie et d'emmener. Dans la communauté de Hilltop parce qu'il a besoin d'une mission pour pas complètement devenir fou sans même imaginer qu'il va peut-être élever en fait et c'est quelque chose qu'on se rend compte plus tard mais c'est vrai que l'idée de la nécessité d'une mission pour ne pas devenir fou alors qu'il vient de perdre Eric je trouve ça très, très intéressant comme combinaison mais effectivement je lui ai demandé, c'était quand même effectivement un tournage, je pense, extrêmement éprouvant pour cet épisode. I'm guessing the shooting of this episode was a little intense, right? Oui. Okay, next.
qu'il trouvait, il aime beaucoup, beaucoup cette partie de l'histoire de Ron avec sa relation avec Gracie, qu'il élève maintenant et qui est plus vieille, et qui dit que l'actrice qui joue Gracie maintenant, Annabelle, est une gamine absolument incroyable, elle la trouve fantastique et il aime beaucoup cette partie. Du coup, je vais lui demander un peu plus. Je sais qu'il peut, à mon avis, pas nous raconter grand chose, mais un peu plus sur ce qu'il voit dans cette relation et ce que ça a créé pour son personnage et pour la série. I'm guessing you can't tell us anything about what happens next, but I am curious about Gracie and the relationship Aaron has with her, and why does it matter to you if your character, aside from working with a great actress, what do you think that's an area of a character that you like? I love it because it shows a totally different aspect of Aaron. I mean, he's been this diplomat, he's been this very calm leader that tries his best to keep all the communities together. But having a daughter and being a father on the show makes him so much more rounded, I think. He's a much more three-dimensional character this way, and the interactions you're going to get to see between Aaron and Gracie this year are phenomenal, so. Ooh, that's a spoiler. C'est parce que ça montre une... Il aime ça, parce que ça montre un aspect totalement différent de son personnage. Ça montre quelque chose de... On l'a vu en tant que diplomate, on a vu faire plein de choses très différentes, mais là, en tant que père, il y a autre chose qui se passe. Et il trouve que les interactions entre Aaron et Gracie dans la nouvelle saison, il les trouve super intéressantes. Après, c'est passé le truc avec son personnage dans les saisons précédentes, et j'aimerais leur parler spécifiquement de ce que ça se fait. J'ai préparé spécifiquement du fait de créer, quelque part, à la fois de créer une autre potentielle relation, mais aussi la tragédie qui le poursuit. So, this is Jesus. I'm wondering, is tragedy just Aaron's burden in life? I mean, I'm guessing everybody's life is tragic on that show. But, so you created a different thing here. Can you tell us a little bit about that relationship with the character? Yeah, I think, you know, it's kind of alluded to points. Tom Payne and I, by Jesus, we discussed and we thought, you know, they probably were, romantic at some point during the 6-year time jump, but we didn't know how that was going to look exactly, but we certainly alluded to it, and we decided that it was only, made sense because of their camaraderie, and they're very similar. They're both the recruiters for their respective communities, so it just, they have a lot in common, you know. But when he loses, this is a spoiler maybe, I don't know, this was last season, but when he loses Jesus in the cemetery with all the whispers, I mean, I think it just destroys him because, you know, everybody he gets close to, they just end up dying horribly, and, you know, that's the show though. You love to watch all these people like, oh, here's some hope, and then, nah. It's a good pitch. Donc, oui, avec Tom qui joue Jesus, ils ont discuté ensemble du fait que probablement il y a eu une partie, je fais allusion seulement, mais qu'apparemment il y a quand même eu quelque chose de romantique qui s'est passé, notamment dans la période des 6 ans. Cependant, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand il perd Jesus à nouveau dans le cimetière avec les Whispers, il y a vraiment quelque chose de tragique pour lui, de détruit complètement Aaron. Et c'est vraiment l'idée de la série en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'espoir et hop, écrasé, détruit. Yeah. So that arm. Là pour le coup, on arrive sur un truc en tant que performance acteur. Donc il arrive quelque chose de tragique à son personnage dans la saison 9, il a perdu un bras. Et je suis assez curieuse de ce que cela sous-entend pour un acteur de travailler comme ça avec un faux bras, enfin, puis avec une version différente aussi dans la 110. So, your character lost an arm, so you're like, oh great, now I have to wear prosthetics every time, so how does that work? It's uncomfortable, but I love it. I think it's a wonderful physical representation of the loss that he's endured over the last few seasons. Not only losing Eric and Jesus, but Tara and Enid and all these amazing characters, Glenn and Abraham, that he got very close to. And losing an arm is almost like a daily physical reminder of what he's been through. And even though it's very uncomfortable to have this thing, because you're frozen like this for 12, 15 hours a day, because it's all screwed in and matched up here,
it's cool. I think it looks cool, and it's also, like, again, it's like the character's representation of all the pain he's endured, all the loss that he's had. C'est inconfortable, mais il adore. Il adore parce que c'est une parfaite représentation de la perte qu'a vécu son personnage. Et bien sûr, il y a Eric et Jesus, mais il y a aussi Tara, Penny, Glenn, Abraham, tous ces gens qui ont disparu. Et quelque part, d'avoir cette représentation physique de la perte, de la tristesse, c'est quelque chose qui trouve en fait extrêmement parlant. Même si effectivement, son bras est bloqué pendant des heures parce qu'il y a des vis pour que ça tienne et c'est accroché. You know, if we didn't show violence and some zombie getting smashed. En fait, j'ai juste envie de lui dire comment il vit cette version de Aaron et ce type d'interaction, juste comment, voilà. Just want you to talk about how you're feeling about this beginning of season 10 and how this, like, he's called a saint in this clip, but when we saw when he was in season 5, it feels very different kind of saint. And so I just want to know your feelings and your thoughts about it. Yeah, I love it. I mean, I think he's been such a diplomatic character and such a nice guy for 5 seasons, really. And this is the first season where he's finally saying, you know what, I'm tired of being the nice guy. I want to fight and I want to, you know, take out our enemies in a real way and quickly. So he's done with being nice. And I love it. I mean, the mace, putting that thing on and just smashing into Walker's face is so satisfying. It's a great sound. They make a great sound when you smash in the head. So it's fun. I mean, I get to kill zombies for a living. It's great. Il aime beaucoup ce qui se passe dans la saison 10 parce qu'il y a vraiment le fait que Aaron en a marre d'être le mec gentil, d'être le diplomate et qu'il a envie de se battre et vraiment de détruire leurs ennemis de façon concrète. Et il adore le bras avec la massue parce qu'il y a vraiment quelque chose de incroyablement satisfaisant et dans le mouvement et dans le bruit que ça fait. Et puis il a dit bon, c'est bon, hein, je gagne ma vie en tuant des zombies, c'est génial. Je voudrais maintenant vous laisser juste parler de ça après, vous laisser poser des questions. I just wanted to mention the Avengers thing. Donc, il fait la voix de Red Skull dans les deux dernières Avengers et je trouvais ça intéressant quand même de poser la question qu'elle avait fait cette expérience. Est-ce que ça avait... On est quand même à Comic-Con, le monde des super-héros. Since we're in Comic-Con, the world of superheroes, I really wanted to ask you about your experience on the two Avengers movie making the voice of Red Skull. What would you like to know? Just how it was like and just anything you might want to share about it. I have no specific question except, was it awesome? Yeah, it was awesome. I mean, like, because I grew up as a huge Marvel fan and I used to draw Red Skull, I used to draw Wolverine and all these different characters, so when I got the part, I was like, you're kidding. I thought it was I was dreaming, but that was the easiest day of shooting in my life. It really was, because once you're in the motion capture suit and everything, they film so quickly. You know, you have a camera in front of your face, and the suit you're wearing has all the information, and they can take your information and put you into a computer program, and you go wherever they need you to go. And it was, I think we were done in 7 or 8 hours. It was incredible. But just working with the Russo brothers and seeing how they worked and how they were able to craft these scenes, and it was one of the most fun experiences I've ever had. And just to be a part of that universe is like the dream of my childhood. The sound of an enfant? I started with the end because it worked. C'est un rêve d'enfant, quand il était petit, il dessinait Red Skull, il dessinait Wolverine. Et du coup, c'était une expérience géniale. Aussi de travailler avec les frères Russo, aussi parce que, à cause de son personnage, le type de tournage, ça va très très vite. Ils avaient fini en 7 heures, parce qu'il faut avoir un costume qui capture les mouvements. Et ensuite, il y a une caméra sur le visage, mais en réalité, le reste, ça va très vite, parce que tout va être fait plus tard dans l'ordinateur. Il a beaucoup apprécié de travailler avec les frères Russo, voir comment ils travaillaient et faire partie d'un univers dont il était fan depuis qu'il était enfant. C'était probablement une des expériences les plus fun de sa carrière. Si vous voulez poser des questions, c'est nul. Sucks because Andy was, and it still is. He's not gone from the world, but the sweetest man you've ever met. He's incredibly kind to everybody. He's also probably the hardest working guy on our show. I mean, he would come to set first thing, be there until, even on days when he wasn't working,
Andy was there, and he was Rick, you know. I mean, some of us are trying very hard to be our characters, but Andy was Rick. I mean, he showed up to set and, you know, had his little movements and the way he wanted to play, and he didn't drop his voice. You know, he's British. He didn't drop his voice ever. I mean, it was just always in Rick mode. So we miss him. We miss him like crazy. He was the best. Thank you. Thank you. Yeah, I can talk about that, yeah. So there's something else to talk about. Well, as always, I mean, this is where we are day and age. Like, if you work for anybody now, you have to sign so many contracts where you can't say anything until it's out. But I can say, well, who I would like to play so loud is Moon Knight. I don't know how to translate him to French, but he's Moon Knight, he's an incredible character. And, pareil. Oh, okay. But yeah, it's an incredible character. But recently, I did Avengers Damage Control, and that's a VR game where you basically get to put on an Iron Man suit and shoot at the villain. And I play Ultron from Age of Ultron in that. So that's a lot of fun. That's like walking into an Avengers movie and then shooting. It's awesome. If you get a chance to play it, it's very cool, yeah. Okay, that. If I'm being honest, it's coming up this season, so I can't tell you, but my second favorite moment was from season 7, and what episode was that? Season 7-10, I think. 7-09, 7-10. And Rick and I are gathering materials and supplies to give to the Saviors, to give to Negan. And we have this crazy episode where we're out on a houseboat in the middle of the lake, and you know, we're getting pulled into the water, and zombies are trying to eat us. And then in between setups, Andy and I were sitting in lawn chairs on the top of this houseboat in the middle of the lake, filled with huge snakes and turtles, biting turtles, and we were sopping wet, and we were just talking about life and having a cigarette. And it was just like, we were having all these dead bodies floating around us, and we're like, this is great. What a wonderful, like, what a weird show we work on, you know? It's not like a courtroom drama where you're like, it's very stuffy. Mm. It's a weird show we work on, and I think that was that first moment where I felt relaxed in the character and relaxed as an actor, and just having that moment with Andy where we're just talking about life and smoking a cigarette was just, It was a perfect memory. Donc son meilleur souvenir de tournage, lui il peut pas en parler parce que c'est dans la saison 10. C'est la meilleure. Il a le droit de rien dire. J'ai essayé. Mais son deuxième souvenir préféré, c'était dans la saison 7. C'est plutôt c'est l'épisode 9 ou l'épisode 10, qui est l'épisode où ils doivent récupérer tout un tas de tout ce qu'ils ont besoin pour donner aux Saviors de Negan. Et ils ont tout un moment où ils sont sur une maison qui est sur l'eau. Et ils sont en train de sombrer dans l'eau. Il y a des zombies qui essaient de les bouffer. Enfin, habituel, quoi. Mais entre les prises, ils étaient tout simplement sur des chaises longues, parfois sous la pluie. It was in the rain sometimes, right? You said it was... Donc sous la pluie, en train de parler, lui et Andy. Vous allez tous les deux tout seuls, en train de parler de la vie, en train de fumer des cigarettes. Et dit, c'est probablement le premier moment où j'étais vraiment assez confortable avec le personnage, en tant qu'acteur, pour être dans un vrai moment. Et dit, on était sur cette la terrasse de cette maison sur l'eau. Et autour, il y avait des corps morts qui étaient dans l'eau, qui flottaient. Et dit, ils se sont dit, mais c'est incroyable, cette série. C'est la série la plus étrange sur laquelle on peut travailler. C'est pas comme une série judiciaire où tout le monde est dans le star, dans un tribunal. Il dit, voilà, c'est... Et pour lui, c'était un souvenir parfait, un exemple parfait du tournage en tribunal. Merci. Thank you. I've never seen a show that's on the surface supposed to be about zombies and horror and, you know, very scary.
and be more about characters, be more about the story itself and what these people go through. And I think the great thing about the show is that everybody on the planet can see themselves as one or maybe several characters on the show. There's great representation, great diversity across the board, and I love that. It's a story about humanity, and I think our decision to have hope and to keep striving even when the world is collapsing. And I think we can all kind of relate to moments where, like, oh yeah, the world might fall apart. And I think, you know, we can see ourselves in these characters, you know. So Scarlett and Jeremy and Josh and Zoe shot their scenes, like, I think 2 months earlier, because all four of them were working on other projects. So they would work together when they could, fly into Atlanta for a couple of days, and then have to fly out to do another project. And I was shooting season 8 of The Walking Dead. So they shot their stuff out, and they were still, I think, looking for Red Skull as they were doing that, so they had a body double acting with them. It's amazing what they can do, because it was shot in a room like this, you know. This could be horror, you know, and you can take a basic room, as long as the information and the suits are there, you can take that and put you wherever they want to. It's amazing. For the show, but also for yourself. Have you read the comics? I don't know how to read. C'est pas yet. 1 minute left, don't finish on that. You don't have to finish là-dessus, il reste une minute. I definitely read a lot of the comics, and actually Robert and I have talked many times about where that amazing comic had gone. I think that Scott Gimple and Angela Kane took as much as they could from the source material to honor it, but they wanted to make sure that it was different enough so that readers of the comic like myself wouldn't know what was going to happen every single step of the way. You know? I think it's really important to keep an audience surprised every week, and that's what I love. Like, in the comics, it's Rick and Abraham that discover Aaron. And then it's, of course, and this is Maggie and Sasha. There's people that get taken out of certain storylines, added to certain storylines. And I love that, because it stays true to what the comic is all about, but also keeps everything very exciting and fresh for the viewers, I think. Donc il a absolument